Léa Salamé est prête pour de nouveaux challenges. Ce jeudi 6 juillet 2023, la journaliste emblématique de France Inter a annoncé à ses auditeurs un grand changement après avoir livré sa toute dernière interview. La carrière de Léa Salamé prend un tournant. Ce jeudi 6 juillet, la journaliste a offert sa dernière interview de 7h50 sur France Inter dans la matinale qu'elle a rejoint en 2014. Et sieste avec l'écrivain et alpiniste Cédric Sapin-Dufour, venu présenter son ouvrage Son odeur après la pluie, qu'elle a conclu ce chapitre de sa vie. En conclusion, Léa Salamé a livré un beau message aux auditeurs qui avaient pris pour habitude de l'écouter à cette heure-là. Après 9 saisons, sieste ma dernière interview à 7h50. On y a reçu des politiques, des écrivains, des intellectuels, des acteurs de la société civile, des anonymes, des paroles libres, des paroles fortes, parfois bouleversantes. Ça a été pour moi un bonheur absolu de les accueillir dans cet écrin magnifique, a-t-elle déclaré à son micro. Et d'ajouter tout en passant le flambeau à celle qui a été désignée pour la remplacer, je le quitte. Je le donne à la rentrée à Sonia De Villers. Elle y imprégnera son style, sa marque et son talent. La complice de Nicolas Demorand a ensuite tenu à rassurer les auditeurs, elle ne quitte pas la matinale de France Inter mais donne un autre rendez-vous à son public. Quant à nous, amis auditeurs, on se retrouvera un peu plus tard dans le poste, dans le nouveau grand 7/10 d'avec Nicolas Demorand. On espère que vous serez fidèles. On vous en reparlera en temps et en heure. Merci beaucoup. Lors d'un entretien pour Le Monde, la directrice de France Inter, Adèle Van Rett, évoquait justement cette bascule que s'apprête à opérer Léa Salamé, laquelle a envie de nouveaux challenges. Elle assurera donc une interview quotidienne d'un quart d'heure, à 9h20, avec la liberté et le talent qu'on lui connaît. En plus du grand entretien de 8h20, Nicolas et Léa inaugureront un nouveau rendez-vous de débat, à 9h10, sur la question du jour, société, politique, etc. Avec une équipe d'intervenants réguliers, journalistes, experts, intellectuels, qui confronteront leurs idées, annonçait-elle. À la télé, il sera par ailleurs possible de retrouver Léa Salamé sur France 2, où son émission Quelle époque a été renouvelée pour une deuxième saison.